C'est parti ! Brosse-toi les dents jusqu'à la fin de la chanson. Brosse tes dents de bas en haut. Brosse tes dents en faisant un O. Brosse tes dents de gauche à droite. Brosse tes sourire éclatant. Brosse tes dents, c'est super chouette. Brosse tes dents quand tu te lèves. Brosse, brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Brosse tes dents, c'est super chouette. Brosse tes dents, ouvre bien grand. Brosse tes dents derrière et devant. Brosse tes dents, pas bien réveillé. Brosse, 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 brosse tes dents quand tu vas te coucher. Brosse tes dents de bas en haut, brosse tes dents en faisant un O. Brosse tes dents de gauche à droite. Brosse tes dents le matin et le soir. Brosse, brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Brosse tes dents le matin et le soir. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre! C'est horrible! Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique, qui ne sont pas recyclés, finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible?
En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil, adieu affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants. On ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. C'est si bonnes tomates. Miam! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants? Qu'est-ce que c'est, les enfants? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Halloween! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non, les enfants, les légumes ont aussi chaud. Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosiez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le tuyau d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi? Tous
les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau, parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez ? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable ? J'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes ? En arrosoir ? En dentifrice ? Ou en pinceau ? C'est ça, Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti. Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez, ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets. Fais attention, Groovy. C'est une sacrée chute. Mince alors. Qu'est-ce qui arrive à Phoebe ? Enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe ? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse ? C'est ça, Phoebe est triste. Bien essayé. Oh, Phoebe doit être vraiment triste. Elle ne sourit même pas. Groovy, Phoebe est triste, ce n'est pas grave. Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent. On doit découvrir pourquoi Phoebe est triste. Qu'est-ce que tu as, Phoebe ? Pourquoi tu es triste ? Oh non ! Pilou a disparu. C'est normal que Phoebe soit si triste. Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie, et elle l'aime beaucoup. Une minute. Pilou sort toujours faire une promenade. Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré. Ça fait longtemps qu'il est parti ?
Ne t'inquiète pas, Phoebe, on va t'aider à retrouver Pilou. Voyons voir, tu l'as déjà cherché par ici? Et dans tout le jardin? Je sais, c'est un très grand jardin et Pilou est très petit. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou? En camion en jouet? En hélicoptère? Ou en pantoufle? Mais oui, en hélicoptère! Super! Vous voyez quelque chose, les enfants? Le voilà, dans les rosiers. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie grâce au travail d'équipe. Super! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli, c'est ça qui sent si bon. Non, Groovy. Attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy?
C'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. Bonjour, Phoebe. Tiens, bonjour, Groovy. Qu'est-ce que vous allez construire? Une cabane dans l'arbre? Waouh, c'est très amusant. Ça avance pas mal, dites-moi. Groovy, tu es le meilleur. Vous savez ce qui serait super? De la peindre avec plein de couleurs. C'est très joli.
Ça y est, la cabane est prête. Vous nous la montrez ? Tadam ! Oh oh, les enfants, notre cabane dans l'arbre, elle n'est pas dans un arbre. Mais Groovy peut nous aider. Groovy, transforme-toi en grue. Super. On est invité dans votre cabane? Génial. Quel est le mot de passe? C'est comme ça qu'on se lave le visage. Tôt le matin. C'est comme ça qu'on se peigne les cheveux. Peigne les cheveux, peigne les cheveux. C'est comme ça qu'on se peigne les cheveux. C'est comme ça qu'on s'habille, qu'on s'habille, qu'on s'habille. Et c'est comme ça qu'on s'habille. Tôt le matin. C'est comme ça qu'on va à l'école, à l'école, à l'école. C'est comme ça qu'on va à l'école.